coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va plus ou moins. Voilà, je suis absente en ce moment de YouTube parce que j'ai pris un temps de pause, donc j'ai changé de cadre de vie parce que j'ai du mal à avoir un sommeil réparateur et donc je me suis dit change de cadre de vie, tu verras si c'est pareil. En ce moment, tu vas chercher un traitement médical. Si ça change, tu comprendras que c'est ton cadre de vie qu'il faut soit améliorer, ou etc., etc. Donc, la première semaine, ça a été compliqué. Je ne me retrouvais pas. Ça a commencé à aller, mais je pense que c'est un peu plus psychologique. Donc, quand je pense pas là où je suis, ça va, mais quand je commence à trop penser à là-bas, je sais que je vais retourner dans quelques temps. Voilà quoi, c'est pas top top. Donc ça veut dire que l'autre côté, je dois améliorer certaines choses, je dois changer certaines choses, me débarrasser de certaines choses de l'autre côté pour espérer que je retrouve ce que je peux dire, mon rythme, ou qu'est-ce que je retrouve, mon bien-être. Je sais pas comment je peux appeler ça. Voilà. Donc, il y a cette principale raison-là. Et la raison secondaire, c'est qu'en ce moment aussi, je suis vraiment en panne d'idées de vidéos. Franchement, je suis en panne d'idées de vidéos. Donc, si vous pouvez m'aider, j'avais déjà demandé dans, je crois, une précédente vidéo, je sais pas, de me donner des idées de décoration. Qu'est-ce que je raconte? De me donner des idées de vidéos, vraiment des choses utiles, vraiment, vraiment, vraiment des choses qui vous intéressent vraiment. Donc, j'ai pas encore reçu d'idées, vu qu'il y a plein de personnes qui ont regardé la vidéo, mais j'ai reçu aucune idée en commentaire. Donc, j'attends toujours vos idées, parce qu'une seule tête, une seule tête qui pense, c'est pas évident. Voilà. Et puis, pour aujourd'hui, ce que je peux dire dans cette vidéo, c'est, j'espère que vous avez déjà commencé à planifier votre mois de décembre. Vous avez commencé à planifier l'organisation de vos fêtes, vos différentes fêtes. Donc, le réveillon de Noël et puis le réveillon du Nouvel An. Plus le jour de Noël en lui-même et le jour du Nouvel An en lui-même. J'espère que vous avez commencé à planifier votre décoration, vous avez commencé à planifier également et toutes les choses qui y vont, hein, donc l'achat des jouets, l'achat des cadeaux pour votre famille, vos amis et tout et tout. Si vous n'avez pas fait, vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de faire, hein. Parce que le conseil que j'ai eu une fois à donner, je ne sais pas dans laquelle des vidéos, c'est que quand y a un événement de ce genre, même que ce soit un événement personnel, donc un anniversaire ou toute autre chose, il est préférable de commencer son organisation assez tôt. Quand ce sont des fêtes publiques également, quand je dis fêtes publiques, je parle de par exemple Pâques, Noël. Ramadan, Tabaski et tout, il est préférable de planifier assez tôt, de s'organiser assez tôt. Comme ça, non seulement on achète des choses de qualité, mais à prix raisonnable. Mais quand vous attendez les derniers moments, c'est une course contre la montre, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, vous dépensez plus. Donc pour quelque chose que vous allez acheter, par exemple, à 1000 francs, vous allez vous retrouver 1000 francs, non, CFA, donc je parle de 1000 francs CFA. Vous allez vous retrouver à 5000, 10 000 par moment. Et nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, la régulation des prix, c'est encore un problème. Donc chacun fixe son prix comme il veut. Donc du coup, voilà quoi. Ça sera compliqué. Je prends par exemple le cas du sapin de Noël, vu que nous sommes à l'approche du mois de décembre et donc des fêtes de Noël.
Moi, j'avais acheté un sapin l'année dernière à 5 500. C'est vrai, on dira, il y a beaucoup de mois qui se sont passés. Aujourd'hui, le genre de sapin que j'avais acheté, la même taille, je crois il y a 2 jours, j'ai vu ça à près de 20 000. J'étais choquée par le prix. Donc imaginez, nous ne sommes pas encore à la fin du mois de novembre, j'ai vu ça à ce prix-là. Donc imaginez quand on va atteindre le mois de décembre, quand on sera à l'approche des fêtes, ça sera à combien? Donc, comme je le disais, pour pouvoir acheter plus tôt, il faut bien évidemment planifier. Planifier, c'est déjà chercher à savoir quel genre de couleur je veux pour ma décoration de Noël, quel genre de couleur je veux pour mon sapin, quel genre de menu je veux faire, donc quel genre de nourriture. En fait, quel genre de mets je veux confectionner ce jour-là, où est-ce que je compte passer mes fêtes de fin d'année, que ce soit le réveillon de Noël ou le réveillon du Nouvel An, le jour même de Noël ou le jour même du Nouvel An. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut planifier. Et quand vous avez planifié, c'est plus facile pour vous en termes de sortie d'argent. Par exemple, en termes d'organisation. Hein. Parce que si vous décidez de ne pas être à la maison, donc de fêter en famille ou avec des amis, vous n'aurez pas les mêmes. Vous n'aurez pas la même organisation, vous n'aurez pas les mêmes dispositions à prendre par rapport à quand c'est de faire les fêtes chez vous, est-ce que vous recevez des personnes ou pas, etc. Donc, quand tout ça, vous avez planifié plus tôt, vous pouvez faire vos achats, étaler vos achats sur plusieurs semaines ou sur un long moment, je veux dire. Ou si vous pouvez vous le permettre de faire en une fois, vous le faites en une fois, mais au moins vous savez ce que vous achetez et vous ne faites pas de gaspillage en fait. Parce que ça sert à rien de dire bon ok je vais faire, vous achetez et puis après vous rendez compte que ce que j'ai acheté j'ai pas vraiment besoin, c'était pas utile, qu'est-ce que je vais en faire alors que vous avez déjà acheté. Donc c'est pour toutes ces choses-là que je parle de planification, de savoir. Moi par exemple, vu que je suis pas encore entrée à la maison, je prends les quelques jours qui me restent là à planifier mon menu de tout le mois. Parce que même s'il y a les fêtes, il faut recommencer. Ça, c'était ma grosse erreur depuis des années, c'est que je planifie pas mes repas du mois de décembre. Je planifie peut-être pour les autres mois, mais quand on est dans le mois de décembre, je suis tellement focus sur les fêtes de fin d'année qu'au final, tout le mois de décembre, je mange bizarrement, en fait. Je peux dire ça comme ça veut dire que, je sais pas, je mange un peu de n'importe quoi. Parce que peut-être que les achats que j'ai faits, je me suis dit, c'est pour les fêtes. Donc du coup, je me retrouve en fait au dernier moment à avoir investi de l'argent pour des choses que je pense être pour les fêtes, pendant que avant les fêtes, il faut bien sûr que je mange, que je fasse d'autres choses. Donc c'est un peu ça. Donc cette année, je ne vais pas faire cette erreur-là. Cette année, je vais planifier tout mon mois de décembre d'abord, surtout côté nourriture. Parce que ça, c'est mon gros problème. Je peux dire aujourd'hui, je mange ça. Quand il sera l'heure de manger, je vais dire que non, je n'ai pas envie de manger ça. Ça, j'ai déjà expliqué dans une des vidéos. Donc, je vais mettre quelque part en image une capture d'écran parce que je fais la planification sur mon téléphone. Donc, je vais mettre à l'écran là ce que j'ai prévu pour le mois de décembre. C'est vrai qu'il y a des parties où il y aura certainement des trous parce que. Dans ces parties-là, on va répéter une nourriture qu'on avait déjà mangée et qui se retrouve dans le réfrigérateur. Mais généralement, je ne sais pas si je vous ai expliqué mon organisation au niveau de la maison, c'est que il y a obligation de cuisine quand monsieur est à la maison.
Quand il n'est pas à la maison, il n'y a pas obligation de cuisine, en fait. Donc, chacun peut se débrouiller. Et comme en ce moment, je suis dans une organisation de 3 personnes, donc moi, la petite qui est à notre charge et lui. Donc, du coup, c'est peut-être à cause de la petite, ça pèse un peu. Parce qu'il faut lui faire, il faut qu'elle mange. Mais si c'était moi et lui et moi, ça allait être un peu plus relax. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vous mettre l'image, la capture d'écran pour que vous voyez un peu ce que j'ai planifié pour le mois de décembre. Pour les fêtes, vu que cette année, j'ai pas la tête à faire la fête pour l'instant. Parce que généralement, j'ai dit ça et puis à la dernière minute, c'est moi qui cours pour pouvoir organiser. Et cette année, j'ai pas vraiment envie, sauf si, je verrai. Mais du coup, je vais mettre aussi des choses qui seront différentes quand même. Même si j'ai pas la tête à ça, mais il faut qu'on mange. Donc, je vais mettre, vous allez voir un peu comment je, côté nourriture, j'ai décidé d'organiser. Côté décoration, pour l'instant, c'est le sapin qu'il faut renouveler puisqu'il a été brisé. Je l'ai acheté l'année dernière et la même année, ça a été brisé par... À quelques jours des fêtes, le sapin a été brisé par l'enfant d'un voisin. Donc, c'est le sapin qu'il faut renouveler. Les boules, on en a déjà. Mais on verra. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. J'ai plutôt... je suis focus sur autre chose pour l'instant. Voilà, c'est un peu tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Un peu de blabla et puis quelques conseils pour que vous puissiez vous organiser pour les fêtes, pour ne pas que vous soyez débordés et que vous ne sachiez pas ce quoi faire. J'aurais voulu faire comme l'année dernière, faire des collages d'images de décoration de maison ou de sapin, mais je crois que sur la vidéo de l'année dernière il y a eu une réclamation, donc aller sur internet, hein, aller sur Pinterest, aller même sur YouTube, vous allez avoir beaucoup d'idées de couleurs, de décorations, de pour les fêtes, même d'idées de repas pour les fêtes et puis d'idées de cadeaux aussi pour les fêtes. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, gros bisous à vous, et puis n'oubliez pas de mettre en commentaire, comme je l'ai dit, des idées pour vidéos, voilà, des idées de vidéos que je vais réaliser, mais également vous pouvez partager avec toutes les autres personnes vos idées de décoration pour les fêtes de fin d'année, vos idées de menu pour les fêtes de fin d'année. Vous pourrez également partager comment vous comptez vous organiser pour les fêtes de fin d'année, même pourquoi pas pour tout le mois de décembre. Ce sont des choses qui sont peut-être banales, on trouve peut-être ça banal, mais ça aide en fait, ça aide d'autres personnes. Il y a plein de personnes qui n'ont pas d'idées. Donc, ça peut aider, même des idées de cadeaux, ça peut aider. Voilà, bisous.